des équipements pour renforcer le système sanitaire béninois. Il s'agit notamment de 37 réfrigérateurs solaires pour la conservation des vaccins, 4 entrepôts mobiles pour la distribution des vaccins, 4 congélateurs et 8 réfrigérateurs mis à la disposition de 5 zones sanitaires et la direction de la logistique de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires. Le tout pour un coût global de 300 millions de francs CFA. C'est un don de l'Agence de médecine préventive à travers son projet Logivac Plus. Ces équipements permettront de renforcer les capacités opérationnelles des systèmes de santé de façon significative et impactante et de mettre en œuvre des solutions logistiques et technologiques innovantes. Ce don d'équipement intervient après, d'une part, la formation des logisticiens de santé, des agents de santé dans ces différentes zones. Cette formation ayant été réalisée à l'IRSP, donc à l'Institut Régional de Santé Publique de Huidin. Et d'autre part, on a réalisé la réhabilitation des entrepôts de répartition des vaccins. C'est le ministre de la Santé lui-même qui a reçu officiellement les clés des véhicules ce jeudi. Le projet Logivac Plus a pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles des systèmes de santé et la mise en œuvre de solutions logistiques et technologiques innovantes. Cette action s'inscrit dans le cadre des activités du projet qui vise à développer le système logistique optimisé. Après la phase pilote dans la zone sanitaire de Koumé, Bopa, Grand Popo, Oyogbe, le ministère de la Santé a retenu de mettre à l'échelle cette nouvelle approche, d'où le projet Logivac Plus, développé et exécuté par l'agent de médecine préventive dans l'optique d'apporter un appui technique à l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaire, ANVSSP. La présente cérémonie de remise de matériel s'inscrit donc dans le cadre des engagements pris par l'agent de médecine préventive d'accompagner le Bénin pour la mise en place du système logistique optimisé. Créée en 1972, l'Agence de médecine préventive est un organisme à but non lucratif qui œuvre à la promotion de la médecine préventive et de la santé publique dans le monde. Sa collaboration avec le Bénin a démarré depuis 2014, mais le projet Logivac Plus prend fin en octobre prochain.